Bonjour à toutes et à tous, c'est BX Akin, on se retrouve aujourd'hui pour mon épisode 5 sur Brave Frontières. Donc cette fois on commence sur cet écran là, parce que j'ai eu envie de venir sur cet écran là, tout simplement. Puisque je vais vous expliquer comment fonctionne cet endroit, mais avant ça j'ai deux petites choses à vous dire. Alors, tout premièrement, je tenais à réexpliquer ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. C'est-à-dire que dans la dernière vidéo, j'ai signalé que vous pouviez m'ajouter dans le bouton social qui se trouve ici. Attendez, là, vous voyez que moi il est grisé. Et donc il y a pas mal de gens qui sont venus me dire « Mais tu fais ça pour toucher les dieux métal, etc. C'est beaucoup plus bénéfique pour toi que pour nous. » Et j'ai envie de répondre, vous savez que de 1, vous n'étiez pas obligé d'ajouter mon idée, hein, mon ID, j'ai juste donné justement la possibilité aux gens qui ne savaient pas comment ça fonctionnait, justement de savoir comment ça fonctionnait. Et de 2, c'est limité à 10 dieux métal. Je devais être à 8 quand j'ai fait la vidéo. Donc voilà, j'ai dit ça pour vous, pas pour moi. Parce que je m'en fous, en l'occurrence. Voilà. Donc ça, c'est dit. Ensuite, j'avais une autre chose à dire, c'est tout simplement que je voulais remercier toute l'équipe de Gumi Europe, surtout l'équipe de Brave Frontières en l'occurrence. Je voulais la remercier pour tout le travail qu'ils font, puisqu'on a un jeu vraiment de qualité, on a des mises à jour assez souvent, du contenu, etc., des events, la communauté est super bien gérée sur Twitter et Facebook. Donc voilà, je tenais au moins à les remercier une fois en vidéo pour le travail qu'ils font et le jeu qui nous permet de jouer en l'occurrence. Donc voilà, je veux plein de commentaires qui disent « Merci l'équipe, voilà, sinon je vous meurs, on est d'accord. » Alors cette zone, qu'est-ce que c'est? C'est le village, puisqu'il fallait au moins que je vous l'explique, hein, ou du moins que je fasse un petit tour dessus. Donc le village se divise en 5 parties principales et 4 petites parties. Ah, vous êtes en train de venir 5 parties et 4 parties. Putain, il va repartir comme sur Clash of Clans, il va dire n'importe quoi. Non, c'est bon. Je vous jure, je dis pas n'importe quoi. Alors, la première grosse partie, c'est objet. Donc, qui vous permet de voir tous les loots que vous avez pu amasser pendant vos donjons. Tout ça. En l'occurrence, vous voyez que moi, j'ai 67 herbes vertes, 99 herbes vertes, 99 herbes vertes. Je ne suis pas satisfait, il m'en faut plus. Il faut que je continue à les farmer parce que ça, à haut level, ça part à une vitesse. Ça part à une vitesse. Vous pouvez pas tester. Ou ceux qui sont haut level dans ma liste d'amis ou même sur Brave Frontières en général, vous savez que ça part très vite. Du coup, moi, je les farm dans les petits levels et en plus de ça, j'en demande en cadeau ami. C'est tout ce que je demande. C'est des gouttes vertes et des herbes vertes. Voilà, donc ça c'était pour les objets. Ensuite, amélioration. Alors, non, amélioration, on verra ça en dernier. Ensuite, on a synthèse ici, donc qui vous permet de faire vos potions, etc. Faudrait peut-être que je l'améliore un jour aussi. Mais avec l'équipe que j'ai, j'utilise pas tellement de potions. Ici, les sphères qui vous permettent donc de faire, comme son nom l'indique, des sphères qui vont vous permettre d'ajouter à chacun de vos personnages, enfin chacune de vos unités, des statistiques en plus. Voilà, vous pouvez équiper une gemme par personnage. Voilà. Hop. Et ensuite, le bouton musique. Qui vous permet d'avoir un petit peu toutes les musiques du jeu. En échange de zèle, évidemment. Bon, pour des soucis de droit d'auteur, je ne mettrai pas de musique. Voilà, vous m'aurez compris. Donc, alors on va voir l'amélioration qui est directement en lien avec les 4 petites parties que je parlais à l'instant. Donc, dans l'amélioration, vous pouvez améliorer avec du karma les bâtiments, donc la synthèse, les sphères, déjà. Ça vous coûte donc du karma, mais ça vous débloque par exemple de nouvelles sphères, en l'occurrence, quand vous améliorez sphère, ça vous donne 2 nouvelles sphères, et quand vous améliorez synthèse, ça vous donne 2 meilleures potions. Voilà. Mais ça permet aussi d'améliorer les 3 autres parties dont je voulais vous parler. La montagne, la rivière, la ferme et la forêt. C'est tout simplement, en début de vidéo, vous m'avez vu cliquer sur cet arbre, vous m'avez vu cliquer sur la montagne, vous m'avez vu cliquer sur la petite ferme avec l'épouvantail en bas à droite, et sur la rivière en
Non, en bas à gauche l'épouvantail et en bas à droite la rivière. Et tout simplement, plus vous améliorez ces choses dans les améliorations, plus vous allez récupérer de petits composants. Donc vous allez voir par exemple là, je vais améliorer. Hop. J'ai amélioré ma montagne. Je vais améliorer un coup ma rivière. Elle sera à niveau 6. Hop. Et je vais améliorer aussi mon arbre. Au niveau 6. Mon arbre est déjà à niveau 6. Bon, alors j'améliore ma ferme au niveau 2. Parce que la ferme, je ne l'avais pas encore améliorée. Voilà. Hop, donc vous voyez que ça m'a coûté du karma à chaque fois. Et donc maintenant, vous pouvez voir que je vais gagner plus de composants quand je vais appuyer donc sur ces endroits. Voilà. Voilà. Donc c'est tout simplement un apport en composants qui n'est pas négligeable, hein, puisque ça en donne quand même pas mal. Alors attendez, on va savoir. Afficher les objets. Voilà, j'ai eu en l'occurrence 9 petites gouttes vertes rien que là en cliquant dessus. Donc voilà, c'est pas négligeable, ça donne des composants, mais ça donne un peu de tout, hein, les noix, les plumes, les rocs, les crocs, les os, les coccinelles, etc. Tout ça, ça vous en donne. Et encore, je suppose qu'à haut level, ça donne encore plus de choses. Enfin bon, là n'est pas la question, nous ne sommes donc pas là pour parler de tout cela. Vous avez vu, Gumi Europe a fêté ses 1 an, nous avons gagné 3 gemmes, ça déconne plus. Et moi, faut que je gère mon équipe, puisque j'ai reçu 5 gemmes. Donc arrêtez de me dire tout le temps que Cash Shop, c'est pas gentil, en plus c'est pas vrai. Donc, c'est juste que j'ai reçu des gemmes, j'en profite. Alors attendez, comment je vais modifier ça? Voilà. Attends, changer de position. Hop. Changer de chef. Voilà. Attaque des. Enfin. Puissance des attaques de feu augmentée de 50%. Ça va changer un peu la vie. Et Vargas, vraiment falloir que je l'améliore parce que là actuellement c'est une grosse daube. Clairement, bon, il reste à 700 d'attaque, hein, ça reste correct, mais il va falloir que je l'améliore parce que c'est une grosse daube. Il me faut quoi pour l'évoluer lui déjà? Ah, il me faut une nymphe de feu que j'ai même pas découvert pour vous dire. J'ai jamais croisé de nymphe de feu sur cette partie. Et donc, comme vous l'avez vu, j'ai invoqué cette jolie carte. Ma lave. 4 étoiles, bon, c'est pas encore la 5, hein, parce que moi je veux la 5, mais c'est déjà la 4, c'est déjà une amélioration de moins à faire. Donc elle monte à. Enfin, elle est en gardien, c'est pas le plus magnifique qui soit, mais ça reste une très bonne carte. Elle monte à 900 d'attaque avec un 993 de def, c'est très bon. Donc voilà, on va l'inaugurer ensemble, puisqu'on va tout de suite aller faire une nouvelle quête. Hop, alors je vais prendre. Vous savez quoi? Regardez, hop. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais il est fou, il est fou. Allez, je suis fou, je viens de prendre dans ma liste d'amis Lava 5 étoiles. Donc vous pouvez voir que sur le terrain, nous avons Lave 3 étoiles, Lave 4 étoiles, Lave 5 étoiles, qui au passage a une attaque complètement stylée, et le reste, voilà, ouais, c'est pas le top, niveau DPS le reste, mais bon, j'ai 2 heals et un Vargas pourri, donc bon, il va falloir que je l'améliore Vargas, nous sommes d'accord, entre cet épisode et le prochain il aura up, faut juste que je trouve une nerf de feu, mais je vais le up parce que là il me fait pitié. Voilà, hop, c'est très la destruction, dira-t-on. Mais ouais, donc Lava 5 étoiles est bien, bien, bien stylé. La 6 étoiles n'est pas encore dispo en France, mais elle envoie du pâté aussi. Je vous invite, si vous avez le temps, à aller sur le wiki, parce que c'est quelque chose. Ça donne envie, ça donne envie. Ça donne envie de spammer les commentaires avec des merci l'équipe, hein, qui va les motiver à mort, et après vous allez voir, ils vont aller nous mettre les ils vont vite nous mettre les unités 6 étoiles si vous les motivez. Si, je vous assure.
Bon, par contre, le seul petit souci de l'AV 5 étoiles, c'est que son attaque est un peu longue. C'est-à-dire que ça a tendance à être longuée quand elle attaque. Là, elle va brave buster, en l'occurrence, ça va être plus rapide. Allez, on va voir si c'est très one shot ou pas. Tout! Bonne journée! Allez, je vous remercie. Bon, c'est pas la mienne. C'est bien dommage. Je peux pas vous la voler. Je sais pas à qui je l'ai emprunté, mais je peux pas la voler, non. Vlan. Bon, elle fait quand même bien mal en 4 étoiles déjà. Enfin, même en 3 étoiles, elle reste très bonne. Hein. Y a pas à chier. Elle est très correcte. Hop, allez, coucher aussi. Vlan, vlan, vlan. Bon, avec tout ça, faut quand même que je vous dise qu'à partir de lundi, moi je suis en stage. De ce fait, enfin du fait que je suis en stage et vous que vous êtes en vacances, hein, bande de salopio, ça veut dire que ça va être plus compliqué pour les vidéos parce que c'est un stage où je vais travailler de 9h à 15h30 et de 18h30 à 22h30. Ouais, horaire de psychopathe. Nous sommes d'accord, horaire de psychopathe. Je serai en repos le mardi soir, le mercredi et le dimanche. Donc bon, ces jours-là, vous aurez les vidéos à des horaires normales. Mais après, pour les vidéos des jours où je bosserai, elles sortiront. Bah ça dépendra. Soit elles sortiront le ça dépendra vraiment de ce que je peux faire. J'essaierai au maximum. De les tourner le matin, de les mettre en upload et de les sortir vers 15h30 si possible. Mais ça va être compliqué. Bah, je vais essayer de gérer, je trouverai bien mon rythme après une semaine. Hein, mais la première semaine risque d'être un peu chaotique, hein, puisque ça va pas être facile à gérer. Surtout que bon, pour jouer à Brave Frontier, etc., faut du temps. J'aurais peut-être pas beaucoup avancé entre chaque épisode à partir de lundi. On se retrouve, oui, donc lundi pour le prochain épisode de Brave Frontier. Mais bon, ça devrait aller quand même, je suppose. On se débrouillera. Et je vais pas dire, mais on le démonte, le pauvre Weaver. J'avais oublié de faire attaquer Chevalier, tiens, merde. Il y a une de mes laves qui est paralysée. Hop. Alors ça sert à strictement à rien de ce que je viens de faire, hein, de heal comme ça. J'avais juste envie de booster la défense. Donc je le fais pour le LOLs. Voilà. Et puis c'est tout. Si j'ai envie de le faire pour le LOLs, et ben je le fais pour le LOLs. Et puis voilà. Et puis voilà. Vous voulez vous battre? Quand tu veux. Dommage qu'on puisse pas choisir ses cibles en PVP, ça aurait été marrant. Faire des PVP contre les abonnés. Je me serais fait défoncer. Mais d'une violence, putain. Quand je vois certains chefs d'unité de mes amis, ouais, bah, je vais aller me cacher. Hein. Voilà. Voilà. Parce que, ouais. Bon. Quand vous voyez qu'il y en a qui ont des unités level 80, ça fait assez flipper. D'ailleurs, en parlant d'amis. Allons voir tout de suite qui. Non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, faut que j'aille faire faut que j'aille faire le boss. On va faire le boss final ensemble. Voilà. Quelle unité vais-je prendre? Il y en a, ils ont déjà Zeus en 5 étoiles. Ah putain, oui, c'est vrai que tu l'avais remarqué hier, celui-là, quand je l'ai accepté. Ah putain. Regardez ça. Le gars, il a déjà l'unité. Enfin, c'est. Bon, je la prends, je vous la montre. Parce que moi je l'ai sur la version globale donc je la connais. Mais bon, elle est assez monstrueuse. Voilà, c'est Zeus en 5 étoiles. Zeus en 5 étoiles est très 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 violent. Très 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 violent. Voilà. Alors, je tiens aussi à dire, pendant que je suis là, comme ça le public Brave Frontières sera aussi au courant, puisque si vous regardez juste mes vidéos Brave Frontières, faut bien que vous soyez au courant des événements. Je serai à la Japan Expo le 2 et le 6.
Alors, voilà, donc je serai à la Japan Expo le 2 et le 6. Le 2, sachant que c'est une. C'est sur l'après-midi, donc je serai là l'après-midi, peut-être un peu le matin sur Paris. À voir, je vous tiendrai au courant sur Twitter. Et donc, mis à part ça, vous me verrez surtout, à mon avis. Alors, vous me verrez sans aucun doute sur le stand de Brave Frontières, puisque Brave Frontières va apparemment vous avoir un stand, donc vous m'y verrez, très sûrement. Après, vous me verrez surtout aussi sur le stand de Minecraft, etc. S'il y en a un, ou vous me verrez avec les Patrick, tout ça, tout ça. Et puis voilà, principalement. Mais donc, ouais, il y a beaucoup de chances que vous me voyez sur le stand Brave Frontières. Surtout le mercredi d'ailleurs, puisque le mercredi j'y vais un peu en solo à la Japan, donc c'est surtout ce jour-là que vous pourrez me voir, etc. Puisque le vendredi j'irai plus, enfin le dimanche, pardon, j'irai plus avec des amis et là je serai un peu moins accessible, même si évidemment je suis toujours là pour prendre une selfie avec mes abobos et faire une bise, dire bonjour, tout ça, tout ça, il n'y a pas de souci, très disponible. Vous me verrez sûrement. Oh, je sais pas du tout comment je serai. Parce que je peux. Enfin, j'ai pas envie de montrer ma tête, donc vous verrez pas ma tête. Voilà, vous me trouverez si vous me trouvez, sinon vous me verrez pas. Mais j'aurai sûrement un t-shirt avec marqué BX devant. Donc voilà. Ou je montrerai peut-être ma tête, je sais pas. Je verrai. J'ai encore quelques semaines pour décider de si oui ou non je monte ma tête avant la Japan. Voilà. Je verrai bien. Bon, il y a moyen, ça dépendra. Mais je la montrerai peut-être en live samedi. Voilà. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble BX pendant. Enfin, pour le trouver à la Japan, il y a moyen que vous deviez venir samedi en live. Voilà, c'est la motivation. Tout le monde s'en bat les steaks, mais c'est la motivation. Voilà, bon, vous êtes chiants les sbires, franchement. On va vous ou Ned? Ça sert à quoi que vous soyez là? Ah merde, ma lava est. Enfin, ma lave est paralysée. J'arrête de dire lava, c'est lave. Un peu compliqué. Enfin, non, c'est pas compliqué, je suis juste teubé, mais faut pas en faire attention. Putain, il reste encore 3 des combats. Mais mourir tous! Allez, décédez! S'il vous plaît. Je vous demande de mourir. Il serait fort aimable de votre part de décéder, s'il vous plaît. Voilà. Comme ça. Voilà, vous avez tout compris. Ah là là, tout ça pour un boss qui va se faire poutrer. Ah. Je vous dis, moi, le 25 contre 6, ce serait marrant. Ce serait rigolo. On se ferait un peu poutrer et il n'y aurait pas assez de place sur le terrain, mais ce serait rigolo. Alors là, il y aurait moyen de se taper de grosses barres. Allez, on approche. On y est bientôt. On va aller poutrer le boss de cette zone. Voilà. Il calme bien le brave boss de Zeus, hein. Voilà. Ah oui, mais non, je suis con, pourquoi je l'appelle Zeus en français? Enfin, il s'appelle pas Zeus. Il s'appelle. Enfin, d'habitude, c'était God Zeus Lock, je crois que ça s'appelait. Mais là, il s'appelle Archer Divin Lock. Ah oui, c'est vrai que c'est lui. Oh. Triste histoire. Très triste histoire. Bon, bah. Je suis désolé, mais tu vas mourir. Hop, un petit heal de zone. Et c'est parti. Putain, Atro, c'est bien dommage qu'il ne loot pas dans cette zone. Puisque vous savez qu'Atro fait partie de ma need list. Bah déjà, j'ai eu un élément de ma need list. Lava, c'est déjà cool. Ça, j'ai eu de la chance sur mon invoke. Après, il me reste à avoir Atro, Magrès, Zelgan, Mega, Paris. Et je crois que c'est tout. Ouais, ça doit être ça. Aïe.
Petit salopard, mais meurs. T'as pas compris que tu me faisais pas mal? Pourquoi je fais un accent chinois? J'en ai aucune idée. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Enfin, le jour où je sais ce que je fais, vous m'appelez parce que je... Enfin, à ma connaissance, du moins, je ne sais pas moi-même. Voilà. Oui, oui, il y a une des lavas, enfin, il y a une des laves, pardon, qui est pas chère. Hop. Ni vu ni connu. Mais meurs. Mais c'est fou, hein, l'instinct qu'ils ont de vouloir survivre. Je sais pas, dans la vraie vie, t'es à 6 contre 1, tu sais que t'as perdu, hein. Même si les 6, c'est des grosses brêles. Ou alors si tu t'appelles Terminator, t'es baraque. Mais si t'es tout petit et frêle, y a pas moyen. Bon, après, si t'as une armure comme Altro et une grosse épée, y a moyen que tu survives à 6 personnes. Mais je sais pas, enfin... Y a quand même plus de chances que tu te fasses botter le cul à 6 contre 1, quoi. Je sais pas, enfin... Après, lui, il se prend pour un ouf, là. C'est comme tous les personnages. Ouais, non, mais je suis trop un ouf et tout. Tu pourras pas me buter et tout. C'est ça, ouais. Crois-y pendant que t'y crois. Yeah, une autre gemme. Bien, et on a donc débloqué la cathédrale détruite. Tantantant. On verra ça au prochain épisode. Ah bah oui, attendez, on vient de finir une zone. Vous avez franchement cru? Non, mais putain, n'importe quoi, vous. Hein. Je vous vois derrière votre écran, là. Enfin, je vous vois pas, mais je vous imagine. Voilà, il y en a un qui a mangé un range ses pancakes. Range ses pancakes, arrête de me narguer avec ses pancakes. S'il y a quelqu'un qui mangeait vraiment des pancakes en regardant cette vidéo, vous mettez un commentaire comme quoi vous mangez des pancakes. Maintenant, je suis sûr que je vais avoir plein de commentaires disant que vous mangez des pancakes. C'est obligé. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Encore un merci à toute l'équipe de Bras Frontières. N'hésitez pas à leur laisser un petit mot d'encouragement dans les commentaires de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et... I hope you like it.